Bonjour et bienvenue à tous. Mon nom est Michèle Guémeau. Je serai votre animatrice dans le cadre de cette conférence de la Faculté de médecine vétérinaire. Bonjour, mon nom est Audrey Lucet. Je serai votre co-animatrice et nous aurons le plaisir d'avoir comme conférencière Madame Marie Archambault. Cette conférence sera enregistrée. Votre micro sera désactivé pour toute la durée de la conférence. La présentation durera approximativement 25 à 30 minutes. Nous aurons une période de réponse à vos questions après la présentation. Pour poser vos questions, nous vous invitons à utiliser la section « Questions et réponses » qui se retrouve dans le banc de la fenêtre et non dans le clavardage. Nous ne pourrons répondre à toutes les questions, alors nous vous invitons à venir nous les poser également dans les kiosques d'admission et dans le kiosque de la faculté. Si jamais il n'y a plus personne dans les kiosques parce que nous terminons à 16 heures, nous vous invitons à nous envoyer des courriels. Ça nous fera plaisir de faire un suivi. Alors, notre conférence sera accessible sur le site des événements virtuels du site de l'admission et du recrutement de l'Université de Montréal. Donc, je vais maintenant laisser la parole à notre conférencière. Madame Archambault, c'est à vous. Bonne conférence à tous. Merci. Bonjour à tous. Bonjour, chers futurs étudiants, on l'espère pour vous. Donc, c'est avec grand plaisir que je vais pouvoir vous parler du doctorat de premier cycle en médecine vétérinaire. Alors, ce que je vais faire, c'est que j'ai une présentation avec des diapositives. Je vais vraiment vous présenter notre programme et un peu ce qui est en satellite au programme de doctorat de premier cycle en médecine vétérinaire, puis ensuite, bien, vous pourrez poser vos questions. Alors, tout d'abord, je vais me présenter. Mon nom est Marie Archambault, je suis un médecin vétérinaire. Alors, quand vous voyez DMV, c'est pour doctorat en médecine vétérinaire. Ensuite, j'ai fait des études au cycle supérieur. Et je suis maintenant professeure titulaire à la Faculté de médecine vétérinaire. Bien, je suis professeure là depuis 2004 et je suis vice-doyenne maintenant aux affaires académiques et étudiantes. Alors, c'est pourquoi là, c'est moi qui vous présente le programme aujourd'hui. Alors, je vous ai mis cette diapo-là pour vous faire réaliser que la Faculté de médecine vétérinaire, bien, c'est une faculté qui est localisée à Saint-Hyacinthe sur un campus qui est vraiment à l'extérieur de Montréal. Saint-Hyacinthe, c'est une ville de banlieue. Alors, quand vous sortez de Montréal, puis ceux qui vivent sur la rive sud connaissez bien quand même Saint-Hyacinthe, mais quand vous sortez de Montréal, bien oui, vous avez Saint-Lambert, oui, vous avez Saint-Bruno, ensuite vous avez Belleuil, Saint-Hilaire, et vous arrivez ensuite à Saint-Hyacinthe. Alors, c'est un campus qui est très vert et qui est très, très agréable parce que justement, il est à l'extérieur du trafic à Saint-Hyacinthe. Alors, la faculté vise à répondre, c'est certain, à des besoins de la société. Alors, un des grands besoins que nous avons, c'est de former des médecins vétérinaires et des experts en santé là, et en bien-être animal. Alors, le médecin vétérinaire joue un rôle aussi en sécurité alimentaire et également en santé publique.
Alors, nous, on est une institution vétérinaire francophone. Comme vous le savez, on est reconnu internationalement. Puis, on vise vraiment à exceller. On vise à innover et à aussi assurer un leadership en santé animale. Comment on fait ça? Bon, on fait ça par notre enseignement. On le fait aussi par notre recherche et on le fait aussi en rendant des services à la collectivité. Alors, quand on enseigne, bien, c'est certain qu'on enseigne aux 5 années en médecine vétérinaire. On fait de la recherche, on forme des maîtrises, des PhD, vous allez le voir. Et des services à la collectivité, c'est qu'on a un hôpital vétérinaire qui se nomme le CHUV, le Centre hospitalier universitaire vétérinaire, dont la raison d'être est l'enseignement, mais on enseigne avec des vrais cas. Alors, les vrais cas, bien, c'est du service à la collectivité. Nos valeurs à la FMV, bien, c'est très important pour nous, le respect. Alors, le respect des autres, le respect de soi, le respect des animaux, le respect des clients, des patients. L'intégrité, c'est très important. Alors, le diagnostic, c'est le bon diagnostic. On joue avec la vie et la mort des animaux. C'est très important d'être intègre. S'engager dans notre mission de soigner, de préserver la santé animale et s'engager en tant qu'étudiant dans notre parcours étudiant. Et la collégialité est très importante aussi. En médecine vétérinaire, il y a différents domaines de pratique. Il y a le domaine de pratique souvent des plus des animaux de compagnie. On parle souvent de chiens, de chats, d'animaux exotiques, de chevaux. Puis ensuite, il y a le domaine des animaux de consommation, des animaux qui servent à des denrées alimentaires. Et c'est très important également. On parle de médecine aviaire, de médecine porcine, de médecine bovine. Et à ce moment-là, c'est important aussi d'avoir une collégialité entre les différents aspects de la médecine vétérinaire. Le survol du programme, eh bien, c'est un programme qui est axé sur les compétences. Alors, c'est un programme où vraiment on vise à développer des compétences qui sont vraiment en lien avec la médecine vétérinaire. Je vais vous montrer dans la prochaine diapo les différentes compétences que nous avons. C'est un programme intense. C'est un programme, c'est pour ça que ça s'appelle le doctorat de premier cycle. Hein? Le doctorat de premier cycle, ça veut dire qu'il y a plus de crédits qu'un baccalauréat. Alors, si vous rentrez en médecine vétérinaire, eh bien, c'est certain que vous allez faire un programme qui va vous permettre d'obtenir un bac après 2 ans. Donc, c'est un programme où il y a beaucoup de crédits. Alors, c'est 50 temps plein avec beaucoup de crédits, 195 crédits. Il y a des cours, il y a des stages. Donc, il y a vraiment des troncs communs qui sont pour 161 crédits et 34 crédits qui sont optionnels. C'est un programme qui est vraiment exclusif à l'Université de Montréal, au Québec. Donc, nous avons la seule faculté de médecine vétérinaire francophone en Amérique. Et la seule faculté de médecine vétérinaire dans la province de Québec. Alors, il y a 5 facultés de médecine vétérinaire au Canada. Il y a celle à l'Université de Montréal. Ensuite, il y a celle à l'île du Prince-Édouard, celle à Saskatoon, celle à Calgary et celle en Ontario, dans la ville de Guelph. Alors, nous, on est la seule francophone en Amérique. On a 96 étudiants qui sont admis par année dans notre programme. Le survol des compétences, bien, on a des compétences qu'on appelle des compétences transversales, qu'on retrouve beaucoup dans tous les programmes de médecine vétérinaire, de pharmacie, de médecine dentaire. Alors, c'est communiquer avec le patient, communiquer avec le client, gérer les ressources, autant les ressources humaines, les ressources techniques, les ressources monétaires. Toujours agir avec professionnalisme lorsqu'on est avec un client, avec des collègues, et intégrer la démarche scientifique. Un médecin vétérinaire, c'est un scientifique qui va devoir arriver avec un diagnostic. Donc, intégrer la démarche scientifique, qui est une démarche spécifique très ordonnée. Les compétences spécifiques, c'est vraiment les compétences qui sont en lien avec la médecine vétérinaire en tant que telle. Donc, la première, vous ne serez pas étonnés, c'est vraiment évaluer un animal pour comprendre quelle est la maladie potentielle, puis établir un diagnostic selon un ordre de priorité. Ensuite, une fois que le diagnostic est fait, que c'est vraiment vérifié, mais ensuite on soigne et on traite avec les traitements appropriés. Et on fait aussi la promotion de la santé animale et la santé publique. Ça peut être via la vaccination, via d'autres méthodes de contrôle. Donc, on veut vraiment promouvoir la santé, que ce soit la santé d'un animal ou la santé d'un troupeau. Toutes ces compétences-là vont vraiment être développées par les étudiants en médecine vétérinaire. Donc, elles vont être développées selon 3 niveaux. Si vous êtes en première année et en deuxième année, on va vous demander de développer ces compétences-là dans un niveau de novice. On va être un peu plus exigeant en troisième et quatrième. On va vous demander de développer ces compétences dans le niveau avancé.
Et à la fin de l'année, vous, à la fin de votre programme, pardon, vous allez devoir répondre aux exigences associées au volet finissant. Ce graphique-là vous présente encore le survol du programme DMV de la première à la cinquième année sur l'axe des abscisses, sur l'axe des ordonnées. Vous voyez vraiment un peu les le nombre de crédits, pardon. Vous voyez qu'en première année, il y a beaucoup de cours et plus on avance, on se ramasse en cinquième année avec seulement des stages. Alors, la cinquième année, c'est une année totalement pratique, où les étudiants sont tout à fait dans notre CHUV, au Centre hospitalier universitaire vétérinaire. Ils peuvent aussi aller faire des stages externes. Et en quatrième année, il y a des cours au choix, il y a des cours optionnels, et c'est là où vous décidez un peu là, le domaine de pratique dans lequel vous allez aller. En troisième, il y a aussi quelques cours à option. Okay? Mais la cinquième année est une année complètement de stage. Naturellement, je vous ai parlé du CHUV, du Centre hospitalier universitaire vétérinaire, qui accueille nos étudiants tout au long du programme. Ça commence avec les stages précliniques en première année. Alors, stage préclinique 1, 2, 3, 4. Et ensuite, en cinquième année, vous êtes totalement au CHUV. C'est quoi le CHUV? Alors, le CHUV, c'est vraiment pour Centre hospitalier universitaire vétérinaire. Il y a à peu près 180 personnes qui font partie du corps du personnel. Là-dessus, il y a le corps professoral qui est formé de professeurs et cliniciens. On parle d'à peu près 70 personnes. Et on parle ensuite de techniciens en santé animale. On parle de palefreniers, d'animaliers qui aident au hôpital. Dans l'hôpital, on a vraiment, dans le fond, trois hôpitaux différents. On a l'hôpital des animaux de la ferme, qui consiste à accueillir des animaux de type bovin, donc des vaches, des veaux, des petits ruminants, des chèvres, des moutons, etc. On a l'hôpital équin qui est dédié aux chevaux. Et on a l'hôpital des animaux de compagnie qui est dédié aux chiens, aux chats, aux animaux exotiques également. Et ensuite, on a des cliniques ambulatoires. On a vraiment là, la clinique ambulatoire qui s'occupe de la clinique ambulatoire en médecine bovine, donc la clinique ambulatoire bovine. Et ensuite, on a la clinique ambulatoire équine. Et ensuite, on a tout le service ambulatoire pour les animaux de consommation, qui est vraiment la clinique ambulatoire associée aux visites pour la médecine porcine, pour les porcs et pour la médecine aviaire, la volaille. Dans les trois hôpitaux, il y a autour de 25 300 admissions par année de patients. Et la clinique ambulatoire, eh bien, c'est des médecins vétérinaires qui partent dans leur camion et qui s'en vont en ambulatoire pour rendre des visites dans les fermes. Et on parle alors de 7 500 visites. Nous avons également des cycles supérieurs. Pour les cycles supérieurs, ce qui est très important de réaliser, c'est qu'on a parfois des médecins vétérinaires qui vont continuer au cycle supérieur parce qu'ils veulent devenir spécialistes, parce qu'ils veulent devenir professeurs, mais on a beaucoup d'étudiants qui font partie des cycles supérieurs et qui ne sont pas médecins vétérinaires. Et c'est tout à fait possible de faire une maîtrise, de faire un PhD ou de faire un micro-programme si vous n'êtes pas médecin vétérinaire. C'est tout à fait possible. Alors, on a deux volets au cycle supérieur, un volet de formation en recherche et un volet de formation clinique. Pour le volet de formation clinique, c'est nécessaire d'être médecin vétérinaire, mais pour le programme de recherche, ce n'est pas nécessaire, sauf dans le cas du programme DMV-MSC. Le programme DMV-MSC, c'est un programme conjoint où l'étudiant rentre en médecine vétérinaire et il peut faire une maîtrise en même temps. Alors, s'il rentre en première année, l'étudiant qui a déjà des crédits universitaires peut commencer une maîtrise tout de suite. Sinon, ben, il doit attendre d'avoir fini sa première année pour pouvoir commencer le programme double. On appelle ça un programme double, le DMV-MSC. Il y a aussi la possibilité de faire des micro-programmes en santé publique. Alors, on a deux micro-programmes en santé publique et ces deux micro-programmes-là peuvent aussi être mis ensemble pour former une maîtrise là, sans mémoire. C'est possible également. Ensuite, on a les maîtrises conventionnelles et les PhD conventionnels. Alors, encore une fois, la formation en recherche peut être continuée par un médecin vétérinaire, mais elle peut être aussi faite par un étudiant qui aurait étudié en biologie, qui aurait étudié en biochimie, en physiologie, dans n'importe quel domaine qui est un domaine scientifique.
La formation clinique, elle, IPSAF, c'est l'internat, le DES, c'est le diplôme d'études spécialisées. Ça demande, c'est vraiment des médecins vétérinaires qui veulent se spécialiser dans un domaine. Là, vous allez me dire, c'est quoi les domaines de spécialité? Bien, à peu près tous ceux qu'on retrouve en médecine humaine, on les retrouve en médecine vétérinaire. Donc, on a la dermatologie, on a l'oncologie, on a la radiologie, on a la microbiologie, on a la pathologie. Alors, on a énormément de neurologie. On a beaucoup de spécialistes en médecine vétérinaire et on a besoin de ces spécialistes-là pour enseigner ces matières-là. Et on peut devenir un spécialiste, un dermatologue qui fait juste la dermatologie en médecine vétérinaire. La majorité de nos étudiants, c'est des postes qui sont quand même limités, mais la majorité de nos étudiants vont devenir un médecin vétérinaire généraliste, puis on a une petite proportion qui vont vouloir se spécialiser. On a aussi un certificat en technologie innocuité des aliments. Ça, c'est un certificat qui vise vraiment à combler un besoin pour une clientèle en milieu de travail agroalimentaire. C'est souvent des gens qui sont déjà sur le marché du travail. Ça peut être des résidents permanents. Ça peut être des citoyens canadiens qui sont nouvellement citoyens canadiens, qui arrivent dans un autre pays, qui ont déjà de l'expérience de travail dans le domaine agroalimentaire, mais qui veulent bien s'implanter au Québec ou au Canada. Alors, ça va vraiment viser de développer des compétences dans le domaine des technologies qui sont vraiment liées à la transformation industrielle des viandes. Alors, c'est quoi comme type de programme et structure? C'est un certificat de premier cycle qui compte 30 crédits sur 3 trimestres. Et il peut être suivi à temps plein ou il peut être suivi à temps partiel. Donc, c'est vraiment le choix de l'étudiant. Ensuite, pour les conditions d'admissibilité, c'est très important de comprendre qu'elles sont très différentes des conditions d'admissibilité du DMV. Pour le DMV, pour le doctorat en médecine vétérinaire, si vous êtes un cégepien, bien, vous devez faire un DEC. Et selon le DEC, vous allez voir si vous avez les préalables ou pas. Mais si vous faites un DEC en sciences, arts et lettres, vous avez les préalables. C'est pas un problème. Vous pouvez aller vérifier là, sur notre site d'admission si vous avez les bons préalables. Et si vous venez d'un milieu universitaire, bien, vous devez vous assurer d'avoir les bons préalables et ensuite là, devenir un candidat universitaire. Donc, pour le doctorat en médecine vétérinaire, les préalables, c'est vraiment là, un DEC du Québec où vous pouvez avoir fait là, des sessions à l'université. Mais pour le certificat en technologie et innocuité des aliments, c'est complètement différent parce que c'est un certificat de premier cycle de 30 crédits. Donc, les conditions d'admissibilité, c'est un DEC ou faire preuve d'une formation équivalente et avoir seulement réussi un cours de biologie de niveau collégial ou universitaire. Mais ça s'applique seulement pour le certificat. On est beaucoup plus exigeant pour le doctorat en médecine vétérinaire. Tout ceci pour vous dire qu'on a une population étudiante qui est bien, bien diversifiée. Alors, notre population étudiante, on compte à peu près 460 à 480 étudiants au premier cycle, donc tout dépendant là, des cohortes qu'on peut recevoir, disons, au CITIA. Mais on a 96 étudiants à chaque année en médecine vétérinaire et notre programme est sur 5 ans. Au PhD et à la maîtrise, on compte à peu près 110 étudiants. Et en formation clinique, on compte autour de 50 internes et résidents. Donc, on a une population étudiante bien diversifiée. Il y a un pub étudiant à la faculté de médecine vétérinaire. Il y a beaucoup d'activités. Il y a une vie étudiante là, qui est quand même assez intéressante pour les étudiants, même si le campus est délocalisé. Les environs. Les environs sont particuliers. Il y a des grands espaces, puis il y a beaucoup de parcs. Alors, il y a un parc, les Salines, c'est à Saint-Hyacinthe, vous pourrez aller voir. C'est un parc où on peut pratiquer du patin en hiver, on peut glisser, on peut faire du ski de fond, on peut faire louer des fat bikes, donc des vélos qui vont sur la neige, on peut faire de la raquette, etc. Ensuite, nous avons la réserve naturelle Galt, qui est à Saint-Hilaire, où là, on peut faire de la randonnée pédestre, monter vraiment, voir des vues là, qui sont imprenables sur la région de la Rive-Sud. Il y a aussi du ski de fond qui se fait à la réserve Galt Saint-Hilaire. C'est magnifique. Ensuite, il y a aussi le parc national du Mont-Saint-Bruno, qui est à peu près à 15-20... Bon,
peut-être plus 20-25 minutes en voiture de Saint-Hilaire, de Saint-Hyacinthe, pardon. Et c'est un parc, encore une fois, de la CEPAC. C'est un très beau parc. C'est un parc où on peut faire du ski de fond, de la randonnée, on peut faire du canot. On peut faire, l'été, on peut aussi faire, c'est assez nouveau, là. C'est des espèces de planches de surf, puis tu peux pagayer là, avec une planche de surf. Donc, c'est pour vous dire que les gens qui aiment beaucoup la nature sont très heureux dans un environnement comme le nôtre. Alors, les environs sont très beaux. Donc, les personnes ressources, si vous avez des questions, vous pouvez les faire parvenir à mon assistant qui est M. Éric Allard, qui est adjoint à la vice-doyenne aux affaires académiques et étudiantes, moi-même, ou à la vice-doyenne associée, la Dr. Louise Saint-Germain. Et ça va nous faire plaisir là, de répondre à vos questions par courriel ou aujourd'hui, si vous en avez, ça va me faire plaisir également de répondre à vos questions aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Dr. Archambault, pour cette belle présentation. On va passer à la période des questions. Je pense qu'Audrey, on a quand même quelques questions qu'on pourrait profiter de la présence de Dr. Archambault pour pouvoir y répondre. Tout à fait. Nous avons différents types de questions, des questions qui portent aussi sur les cycles supérieurs et de la part des étudiants étrangers. On nous demande tout d'abord, est-ce que des étudiants étrangers, donc qui n'ont pas le statut de citoyen ou de résident permanent et qui suivraient un diplôme de médecine dans leur pays, est-ce qu'ils peuvent accéder au PhD à l'Université de Montréal? Mais, écoutez, en ce moment, les étudiants étrangers, bien là, on est en temps de COVID, mais c'est un d'habitude, c'est vraiment pas un problème. Alors, les gens doivent faire comme d'habitude, demander un permis d'études. Alors, il y a différentes étapes. Vous pouvez contacter le bureau des étudiants internationaux, mais on a régulièrement des étudiants internationaux qui viennent faire des études chez nous. Alors, il y a des... si vous êtes au PhD, vous êtes intéressé par le PhD, ce qui est intéressant, c'est qu'en ce moment, il y a des bourses d'exemption de frais de scolarité pour les étudiants au PhD qui permettent aux étudiants de payer les mêmes frais de scolarité que les étudiants québécois. Alors, c'est très intéressant de venir faire des études de PhD à la Faculté de médecine vétérinaire. Je vous invite à aller sur le site. Nos professeurs recherchent régulièrement des étudiants pour faire des études de PhD. Si vous êtes à la maîtrise et vous êtes intéressé à faire des études de maîtrise, à ce moment-là, les frais de scolarité sont remboursés de façon partiellement. Vous allez payer un peu plus cher qu'un étudiant québécois, mais c'est quand même assez avantageux et c'est beaucoup moins cher que dans d'autres pays. Donc, on vous encourage, si vous êtes étudiant étranger, à appliquer et à trouver un directeur de recherche à la Faculté de médecine vétérinaire. Il y a d'excellents chercheurs et puis les études sont très intéressantes. Parfait. Puis, on nous demande aussi quelles seraient les alternatives si une personne n'a pas justement les notes exigées ou est refusée. Est-ce que vous avez d'autres options, d'autres alternatives pour leur permettre ensuite de revenir vers le doctorat? Il y a différentes possibilités. La première possibilité, c'est si vous êtes un cégepien et que vous êtes, bah, d'habitude, là, nous, c'est 33.4, 33.5, tout dépendant. Donc, c'est des cotes R assez élevées. Bon, avec le CASPER, on obtient une cote de rendement. L'admission, vous savez, c'est 60% la cote R, 40% le CASPER. Bon, pour ceux qui sont un petit peu borderline et puis qui seraient malheureusement refusés, il y a toujours possibilité, si vous êtes cégepien, d'aller faire un cours universitaire, d'augmenter votre cote R et éventuellement de rentrer en tant qu'universitaire. On a vraiment deux types d'étudiants. On a les collégiens. On reçoit à peu près 1000 demandes par année. Hein, on reçoit à peu près 400 demandes des collégiens. On en prend 45. On reçoit à peu près 600 demandes des universitaires et on en prend 51. Parce qu'on a des cohortes de 96. Donc, si vous n'êtes pas sélectionné en tant que cégepien, vous pouvez continuer à augmenter vos notes et faire un cours universitaire et à ce moment-là, rentrer de cette façon. Il y a une autre possibilité. C'est possible aussi d'aller vers une université américaine. Une université américaine qui accepte des candidats du Canada.
comme l'Université Ross, par exemple. J'en nomme une, mais je pourrais en nommer d'autres. Là. Il y a aussi... c'est quoi dans l'autre? Non. En tout cas, je vais y aller avec Ross. Mais les frais de scolarité sont très élevés. Puis ensuite, c'est quand même un risque parce que vous rentrez dans cette école-là, mais vous n'êtes pas sûr de pouvoir rentrer à la faculté de médecine vétérinaire après parce que ça peut arriver qu'on perde certains étudiants après la première année. On n'en perd pas beaucoup. On appelle ça le taux d'attrition. Le taux d'attrition, chez nous, il est faible. On perd 1, 2, maximum 3 étudiants après la première année. D'habitude, c'est plus 1 ou 2. Ce qui veut dire que j'ai une admission. Si vous allez sur notre site d'admission, vous allez voir que j'ai aussi une admission en deuxième année de médecine vétérinaire. Et à ce moment-là, je peux prendre des étudiants qui viennent d'une faculté de médecine vétérinaire de l'AVMA ou d'une autre faculté de médecine vétérinaire là, qui est non AVMA, qui vient d'un autre pays. Mais les places sont très restreintes et la compétition est quand même féroce. Donc, il est possible de revenir peut-être en deuxième année, mais c'est un peu plus risqué. Donc, j'irais peut-être vers la première avenue là, qui est vraiment de continuer son cours universitaire pour d'augmenter ses notes. Une autre possibilité, c'est aussi d'aller faire une maîtrise. Puis à ce moment-là, il y a une possibilité aussi d'augmenter ses notes si vous avez déjà fait un bac. Juste une petite question, Dr. Archambault, parce qu'on a encore le temps. Au niveau des maîtrises, comme vous le disiez tantôt, je pense qu'il y a quand même plusieurs spécialisations. C'est aussi peut-être une autre option pour des étudiants qui veulent travailler avec des animaux que de pouvoir se diriger vers la maîtrise. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que dans l'éventualité, là, que si vous ne rentrez pas du tout, là, OK, là, puis il n'y a pas de possibilité, bien, venez faire une maîtrise chez nous. Venez faire une maîtrise chez nous. Venez faire un PhD chez nous parce qu'il y a des beaux projets. Vous n'avez pas besoin d'être médecin vétérinaire pour travailler, disons, avec... Tu sais, on a des beaux projets sur la douleur animale, la douleur avec les chats, comment les chats expriment la douleur, quel genre de grimaces ils peuvent faire pour nous parler, pour dire qu'ils ont mal. Il y a toutes sortes de beaux projets en comportement animal, etc. Donc, il y a des projets naturellement beaucoup plus fondamentaux qui se font en laboratoire, mais il y a des projets aussi qui se font avec les animaux. Donc, ça peut être une excellente... Ça peut être une belle façon de dans le fond, de pouvoir être avec les animaux si c'est ce que vous voulez. Tout Audrey, à fait. Est-ce qu'on pourrait aller vers une autre question? Tout à fait. On nous demandait si les activités parascolaires et le bénévolat pourraient-ils influencer les chances d'être admis au doctorat? Non. Par contre, ceci étant dit, non, c'est vraiment 60% les notes et 40% le Casper. Mais on a une nouvelle catégorie d'admission pour ceux qui sont intéressés par le domaine de pratique des animaux de la ferme. OK? Et là, il y a deux préalables importants. Vous irez lire si ce domaine-là vous intéresse. Par contre, n'allez pas dans ce domaine-là, appliquez pas là si vous êtes juste intéressé à pratiquer dans le domaine des chiens et des chats, parce que c'est pas une catégorie d'admission pour vous. Mais si vous êtes intéressé par le domaine des animaux de la ferme, si vous êtes intéressé par les vaches, les moutons, les porcs, la volaille, etc., bien là, allez lire sur cette catégorie-là. Parce qu'à ce moment-là, il y a deux préalables importants. Vous devez passer 500 heures avec des animaux de ferme et vous devez aussi avoir une autre attestation. Vous devez passer 35 heures avec un médecin vétérinaire qui pratique dans le domaine des animaux de la ferme. Alors ça, on vous demande deux attestations et ensuite, vous rentrez dans cette catégorie-là et là, il y a 60% des notes, 40% Casper, puis ensuite, on fait une entrevue. Mais c'est seulement une admission pour ceux qui sont intéressés par le domaine de pratique des animaux de la ferme. Pour le reste, malheureusement, non, ça ne fait pas de différence. Je suis désolée. Il y a aussi plusieurs étudiants qui s'intéressent en fait aux animaux sauvages, aux animaux de la faune, aux animaux des zoos. Est-ce qu'il y a un parcours que vous recommandez pour se spécialiser dans ce domaine? C'est un parcours qui va se dessiner seulement en quatrième année. En première, deuxième, troisième, les étudiants font à peu près les mêmes choix de cours. Il n'y a pas de cours vraiment pour ces animaux-là avant la quatrième année. En quatrième année, vous allez pouvoir là, sélectionner des cours qui sont vraiment un peu plus en lien avec, c'est des cours options qui sont en lien avec cette orientation-là.
C'est une orientation plus pathologie et animaux de la faune un peu, là. Et vous allez pouvoir sélectionner beaucoup de stages à options qui vont être en lien avec cette orientation-là en cinquième année. Donc, il va y avoir quand même une exposition avec les animaux, avec les oiseaux de proie surtout, avec le docteur Guy Fitzgerald. Il y a la clinique des oiseaux de proie. On a une clinique des animaux exotiques aussi à l'hôpital des petits animaux. Puis ensuite, il y a aussi le docteur Stéphane Lair qui travaille avec les animaux marins. Donc, c'est en quatrième et en cinquième. Parfait. On nous demande aussi, en fait, comment se déroulent les cours actuellement en temps de COVID? Est-ce que c'est plus en mode en ligne ou en mode en présentiel ou en mode hybride? Bien, écoutez, on a fait le choix de donner une priorité aux premières années, étant donné qu'ils sont nouveaux, que le sentiment d'appartenance à la FMV n'est pas encore présent, puis qu'ils ont besoin de se faire des amis, de contacts sociaux parce qu'ils n'ont pas encore d'amis au sein de leur groupe. Donc, on a mis à l'automne et pour cet hiver à peu près autour de 40 à 50 des cours des premières années sont en présentiel. Ils sont divisés dans trois classes différentes. Le professeur enseigne dans une classe, puis il va voyager dans les autres classes lors de ses différents cours. Et le professeur est dans une classe et il y a rediffusion du cours dans les deux autres classes, de sorte que le 2 mètres est maintenu. Et ensuite, il y a aussi les activités qu'on appelle les stages précliniques qui demandent absolument une présence parce qu'il y a un animal, puis on doit apprendre à évaluer un animal. Donc, les activités de stage préclinique sont maintenues en présentiel. Pour le reste, à distance. Pour les étudiants de deuxième, troisième, quatrième, tous les cours théoriques ou presque là, sont à distance via Zoom. Ça se passe très bien. La majorité des professeurs enseignent de façon synchrone. Il y a peut-être en quatrième année où il y a un petit peu plus de cours enregistrés là, que les étudiants auraient bien aimé avoir un peu plus de synchrone. Là. Mais jusqu'à date, ça se passe bien. Je vous dirais qu'on apprend en tant que professeur à enseigner de cette façon-là. Moi, j'enseigne beaucoup comme ça en ce moment. On apprend même à faire des groupes avec Zoom, puis à voyager dans les salles, puis à faire des situations d'apprentissage comme ça. Donc, quand vous allez rentrer en première année, on va être très, très bon. Même si en septembre, on était un peu en Zoom, là, les professeurs vont être très bons pour vous enseigner. Inquiétez-vous pas. Peut-être qu'on pourrait prendre une dernière question, Audrey? Oui. Comme vous avez mentionné beaucoup d'éléments sur la vie extrascolaire, une personne nous posait la question s'il y avait justement des clubs étudiants ou des expériences extrascolaires pour les étudiants de ces programmes. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de clubs. Mon Dieu, il doit y avoir à peu près une vingtaine de clubs. Alors, tu as le club plein air, le club vert, là, pour envers et contre tous, qui est vraiment pour le recyclage, etc. Il y a beaucoup de clubs étudiants. Il y a même un club végétarien. Il y a toutes sortes de clubs. Alors, les étudiants... Naturellement, il y a le club bovin, le club petits animaux, le club des animaux exotiques. Bon. Alors, une vie étudiante vraiment très, très animée, je vous dirais. Nos étudiants sont très... On a de très bons étudiants qui participent beaucoup. Il y a même un club de la bonne humeur. Donc, Parfait. Est-ce qu'on aurait le temps, Michel, pour une dernière question? Bon, d'accord. Une dernière. Parfait. Même si vous l'avez probablement mentionné, il y a plusieurs questions encore sur par rapport aux admissibilités. Si vous pouviez peut-être rappeler la cotère minimale pour entrer dans le programme de doctorat. Ça varie un peu d'une année à l'autre, mais ça a tendance à être autour là, de 33,4, 33,3, 33,5, 33,6. Puis, vous savez... Ça, c'était la cote du dernier admis l'année passée. Par contre, votre cote, c'est un petit peu en lien avec le CASPER, dans le sens que
Le casse-peu peut vous faire monter si vous réussissez un très bon casse-peu. Il peut vous faire descendre un petit peu, mais il peut vous faire monter. De sorte que si vous êtes dans le 33, ben, même si vous êtes en bas, ne perdez pas espoir, votre casse-peu peut vous faire monter. Puis comme Mme Glémaud me le dit souvent, il y a trois chiffres derrière la virgule. C'est 33 points quelque chose. Avec trois chiffres derrière la virgule, vous voulez savoir que des fois, vous êtes près les uns des autres. Donc, gardez espoir. Si vous êtes dans les 33, là, gardez espoir. 32, ben je ne sais pas, ça c'est plus rare parce que ça m'étonnerait qu'on descende de 33 à 32, mais ça c'est plus Mme Glémaud qui pourra vous le dire. Mais si vous êtes dans 33, là, ne perdez pas espoir. 33 est en haut, là. Et ça répond, on pourra peut-être conclure là-dessus. Il y a quelqu'un qui nous demandait, on accepte 96 étudiants qui sont admis sur combien? En fait, le taux d'admission, à peu près autour de 10 % des étudiants qui vont appliquer au doctorat en médecine vétérinaire qui vont être acceptés. Alors, c'est vrai que c'est pas facile, mais si vous avez un bon dossier, si vous préparez bien votre dossier, si vous faites peut-être parfois d'autres parcours pour pouvoir augmenter la moyenne, un peu comme on disait tantôt, si vous n'avez pas la bonne moyenne après le cégep, si vous allez faire un programme en sciences fondamentales, en biomédicale ou dans des domaines de sciences fondamentales, je pense que ça peut être un bon complément pour des études en médecine vétérinaire éventuellement. Et si possible, peut-être, si jamais ça ne fonctionne pas, bien, je pense qu'au niveau de la maîtrise, il y a vraiment de super belles choses qui se passent à la faculté. Et ça, je pense qu'il ne faut pas hésiter à les explorer. Si le goût, si l'intérêt, c'est d'être près des animaux et de travailler au bien-être des animaux, il y a vraiment il y a de multiples façons de le faire. Et ça, je vous invite vraiment à le découvrir au sein de la faculté. Bien, merci beaucoup, Dr. Archambault. Ça fait vraiment un plaisir. Merci, Mme Glémaud, vous et votre équipe. Merci d'avoir organisé ces rencontres. On tient également à vous annoncer que du 10 novembre au 5 décembre, il y aura également d'autres conférences qui vont se tenir, qui vont être en lien avec, plus particulièrement en lien avec les programmes d'études. Alors, n'hésitez pas à aller voir la liste, la programmation et les différentes offres que nous avons entre le 10 et le 5 décembre. On tient à vous remercier. Merci à vous à la maison d'avoir assisté à cette conférence et bonne soirée. Merci beaucoup à Dr. Archambault. Merci à Audrey de m'avoir accompagnée dans l'animation. On vous souhaite vraiment une belle soirée et à bientôt. Merci.